Le murmure des coinces. À l'oreille de nos talents. Cette semaine, nous retrouvons Jody à Échevronne, où elle dirige son équipe sur un gros chantier de terrassement et d'enfouissement des réseaux. Le métier de chef d'équipe, c'est de diriger les hommes et les femmes qui sont sur le chantier et puis réaliser tout ce qui est pose de réseau, réaliser le remblai, approvisionnement en matériel, en matériaux, pour avoir tout ce qu'il faut pour réaliser le chantier au mieux. Donc là, on réalise tout ce qui est enfouissement des réseaux secs. Donc on enfouit la basse tension, le téléphone et tout ce qui est éclairage public. Ça fait déjà quelques mois qu'on est là et puis là, il va nous rester deux semaines sur ce chantier. Dès son adolescence, Jody a eu envie de travailler dans un domaine traditionnellement masculin, les travaux publics. C'est grâce à une vision sur un chantier pendant que je me promenais avec mon père. Je trouvais que c'était pas un métier qui était féminisé. Et depuis ce jour-là, je me suis lancé cet objectif et c'est comme ça que je conduis des mini-dumpers, des pelles et tout ça. Ce qui me plaît le plus, c'est de prendre des initiatives, de poser des réseaux, la conduite des engins, enfin tout le corps de métier me plaît. Lorsqu'elle rentre chez elle le soir, Jody troque son casque de chantier contre un casque de sapeur-pompier. Un engagement au service des populations mêlant adrénaline et bienveillance. J'ai développé cette passion depuis l'âge de 5 ans, puisque j'ai une cousine et j'ai mon arrière-grand-père également qui était pompier. C'était une de leurs plus grandes passions. J'aime beaucoup le sport et l'adrénaline, aider les personnes, c'est quelque chose que j'aime énormément. Quoi. La jeune téméraire n'a pas froid aux yeux et a su faire face à son premier incendie avec brio. C'était mon premier feu en tant que stagiaire. Le chef de l'engin m'a demandé de réaliser tout ce qui était alimentation de l'engin pour que mes collègues qui sont rentrés dans le feu réalisent ce qu'on appelle l'attaque du feu. Et donc du coup, je me suis retrouvée toute seule à réaliser l'alimentation de l'engin et à réaliser l'alimentation des lances. Et donc c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'adrénaline et c'était incroyable. Et comme la confiance en soi est un cercle vertueux, l'activité de pompier de Jody lui permet d'être plus à l'aise dans son métier de chef d'équipe chez Equance. Je suis passionnée par mon métier et puis surtout l'ambiance qu'on retrouve sur le chantier, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que j'ai appris au pompier qui me sert en entreprise, donc tout ce qui est cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, savoir se parler, savoir s'organiser au mieux pour réaliser le chantier. Un tempérament tout feu tout flamme qui réchauffe la mine de ses coéquipiers. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coinces. À bientôt pour un prochain portrait.